Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre jeu de bus BS18 où aujourd'hui nous allons partir toujours avec la livrée Francibus et cette fois-ci en Iveco Urbanway, donc un Iveco de 12 mètres. Donc on va faire un petit parcours de 18 minutes environ. Je vais commencer le trajet. J'ai choisi là ce coup-ci un temps plutôt. Comment je vais régler, voilà, un temps plutôt ensoleillé pour cette vidéo. Hop là, allez, c'est parti. I need a few tickets, please. Un petit ticket, alors simple, normal, quantité 2. Thanks. Et je lui dois rien du tout. Alors semaine type. Alors semaine, type normal, quantité 1. La petite livrée Francibus en Iveco. Alors encore une fois, et j'en profite toujours pour remercier bien sûr mon copain Yannick, à qui je dois la livrée de base. Et bien sûr, je fais un petit coucou à mon ami Sloki, qui gère la société Francibus. Sur Discord notamment et sur le forum. Alors le monsieur y passe, voilà. Alors durant la continuité, ma continuité sur BS18, j'ai pu une poule. Oh là là. J'ai pu déjà un petit peu plus avancer dans le jeu. J'essaie de débloquer à l'heure actuelle les 85% des arrêts là. Il y a une mission où vous devez débloquer 80, 85% à peu près des arrêts. Je ne sais plus quoi, j'en suis à 70. Et j'essaye bien sûr de débloquer cette partie-là. Ce passage ici, il est magnifique. Regardez. Franchement, c'est beau, hein? Non, c'est beau, c'est très très beau. Vraiment, l'UE4 a vraiment fait un grand bien à BS18, hein, il n'y a pas à dire. Hop là, donc là on va tourner. Alors j'ai un peu mieux compris le système. Là, vous voyez, il y a des radars là pour tourner, mais bon, je maîtrise pas encore le GPS, hein, vous m'excuserez si je fais des erreurs. Think about getting a dog. Really? Là. How so? Well, I imagine it would be awesome. Though, I don't work. The weather is just Par contre, lovely. May I have a je ticket, pourrais please? aussi la porte arrière, vous voyez. Was that a rose? Non, c'est vraiment bien. Alors, simple, normal, quantité 1. 2, 5, 7, 8, de rien, monsieur. Et on va Wheel fermer. of Passion is such a great series. Do you think Hans will ever come back? Alors, je trouve que ce bus est vraiment pas mal. En tout cas, il est bien modélisé. Je trouve ça pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, ce qui est bien, et ce que j'ai pas précisé dans la vidéo précédente de BS18, c'est que comment le trackir est fonctionnel, et ça, c'est plutôt plaisant.
Alors par contre, le trackir, le seul petit souci que moi j'ai, c'est que si je veux ouvrir par exemple la fenêtre ou baisser le pare-soleil, je suis obligé de temporairement mettre mon trackir sur pause. Parce que sinon, l'interaction ne se fait pas avec ma souris. C'est un petit peu dommage, mais j'espère que ça sera corrigé dans les mages qui suivront. Franchement, je vais dire la même chose que pour Fernbus. Si ce jeu, il y a des mises à jour et qu'il est suivi par la communauté, ça peut potentiellement devenir un jeu à succès. Alors déjà bien que le jeu, lorsqu'il est sorti, a connu vraiment un grand succès, mais j'espère qu'il ne tombera pas dans les oubliettes, parce que vraiment, c'est vraiment un bon petit jeu de détente. Encore une fois. Et ça serait vraiment dommage que ce jeu parte dans l'oubli. Alors après, bien sûr, faut pas... Il y a trop de nid de poule. Vous voyez, c'est ce que je disais la dernière fois. Il y a trop de nid de poule. Bien sûr, on va pas se mentir, l'arrivée des jeux de bus qui sont prévus, notamment The Bus, va forcément entacher ce jeu. Hein. Après, ne pas tomber non plus dans le piège simulation et jeux de bus, encore une fois. Que clairement on n'est pas dans une simu, hein, on est dans un jeu, donc allez, on accélère. Alors je sais pas pour vous, mais moi je n'ai toujours pas retrouvé de voyageurs avec des fauteuils roulants. J'en avais au début quand le jeu est sorti, mais là, j'ai pu. Alors c'est un peu dommage. Alors je suis pas bourré, hein, je vous rassure, j'essaie d'éviter les nids de poule. Alors je sais qu'il y a, comment, il y a un truc qui est pas mal non plus, j'ai pas encore eu le temps de tester, mais il y a des cachettes sur le jeu, il y a des trajets. Je crois que la dernière fois j'étais tombé sur une boîte de nuit, je ne sais plus où elle est. Mais il y a des petites impasses, des petites routes qu'on peut emprunter. Et il y a des. Je sais pas s'il y a des objets à retrouver, mais en tout cas il y a des cachettes. Donc ça c'est pas mal non plus. Alors bien entendu, je remercie les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne et je remercie bien sûr, comme je le fais d'habitude, les abonnés qui me suivent depuis quelques temps. Merci en tout cas de votre fidélité. Alors, 20 tickets, la petite dame. Donc un ticket de jour, normal, un ticket 1. Et je vais aller faire mon petit tour pour contrôler les voyageurs. Donc là c'est pareil, vous voyez, on a quand même un bus quand même qui est relativement très bien modélisé. La texture à l'intérieur elle est vraiment superbe, moi j'aime beaucoup. Alors je m'y connais pas bien en bus bien entendu, hein. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui joue plus au jeu de train qu'au jeu de bus. Mais en tout cas, vous voyez, je trouve que c'est vraiment bien... pas de ticket, la petite dame, alors. Je trouve que les bus sont vraiment bien foutus, quoi. J'ai pas à dire. Et vraiment, ce qui est bien sur BS, c'est qu'il y a de la vie, c'est-à-dire qu'il y a un environnement, il y a de la vie. Vous voyez, il y a des piétons, il y a des voitures, il y a des camions. Il y a vraiment ce qu'on trouve en grande généralité quand on prend le bus dans un environnement urbain.
il y a la vie de voilà du, d'une ville. On s'ennuie pas. Voilà, il y a des choses à regarder quand on roule. Il y a des choses à gérer aussi au niveau de l'interaction avec les voyageurs. Donc vraiment, c'est un jeu où on ne s'ennuie pas. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment bien. Il y avait personne à se tarer là. Bon. Alors encore une fois, et je le répète, si vous souhaitez rejoindre la communauté Francibus, vous avez bien sûr les liens se trouvant dans la description. Donc vous avez le lien du forum et du Discord. Je vous attends si vous souhaitez venir jouer avec moi sur ce jeu en multijoueur. Je pense que je serai disponible qu'à partir du mois de septembre pour venir sur le Discord jouer en multijoueur avec vous sur ce jeu. I spent the afternoon at the Lido and then partied all night at the old sawmill. Oh, lucky you. I had to work yesterday. Donc si vous voulez venir jouer avec moi, il n'y a aucun problème. Moi, je serais ravi de vous accueillir. I need a few tickets, please. Un petit ticket, petite dame. Luckily, Sunday's coming. Là. Alors, semaine. Normal, quantité 2. Thank you. Alors, bien sûr, c'est dans mes possibilités hein, de, et les vôtres hein, qu'on pourra jouer ensemble. Parce que... Comme je le disais, je ne suis pas forcément disponible pour être là tous les jours. Comme je l'avais précisé également dans la précédente vidéo, je ne gère pas directement les serveurs aussi bien que Discord que le forum. Donc la société Francibus a été créée par moi-même et Smoky. Mais encore une fois, je laisse la gestion à Smoky. Et à Polar que je salue également. Voilà, je laisse la gestion à mes deux potes. Parce que moi, j'ai pas le temps. Professionnellement parlant, j'ai plus le temps. J'ai tout juste le temps de vous faire des vidéos et encore. Donc voilà, c'est dans la mesure du possible hein, que je pourrais jouer avec vous. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de partager des moments de rire avec vous sur ce jeu. Ce serait sympa. After 5,000 episodes, Winter of Passion is still going strong. J'aime bien ce petit Iveco, il est vraiment plaisant à conduire, bien modélisé. Au niveau des sons, je ne saurais pas vous dire si ce sont les sons réels. Si vous vous y connaissez en bus, merci de me préciser si les sons sont bien réels. Parce que moi, je ne peux pas m'en rendre compte. Je suis vraiment néophyte sur les jeux de bus, notamment sur les livrets et sur les sons. Là, je peux pas dire. Voilà, je peux pas vous dire. Moi, personnellement, j'y connais pas grand chose. C'est pas ma spécialité, mais j'aime beaucoup l'univers des cars et des bus, surtout les cars. D'ailleurs, en parlant de cars, on reviendra sur Fernbus prochainement, parce que c'est vrai que je n'ai pas refait de vidéo sur Fernbus. Il y a un DLC qui va sortir, qui est le DLC Foot, si je me trompe pas. Et puis il y aura un nouveau jeu de TML qui est Fuerteventura et qui va arriver là prochainement, je crois que c'est fin août mais non, je me suis gouré, c'était pas là. Autant pour moi. Donc voilà, ça vous prouve que le jeu fonctionne bien. Alors là je me suis trompé hein, c'est pas mon arrêt bien entendu. Moi, dès que je vois un arrêt, je m'arrête. Voilà. Quand tu veux. Alors, il y a eu pas mal de mises à jour sur le jeu, mais en tout cas, le jeu est un petit peu plus fluide que quand il est sorti.
Bien que moi il était quand même à 60 fps, mais il y avait quand même des zones encore qui étaient un peu sombres sur le jeu où ça laguait. Et là c'est vrai que depuis la mise à jour, enfin depuis les mises à jour plus précisément, le jeu lag un tout petit peu moins. Madame a mangé un burrito et c'est une grosse erreur. Maintenant tu me fais pas le coup de vomir ou quoi que ce soit dans le bus. Bon, on a évité le nid de poule hein, comme vous avez pu le voir. You know, yesterday Kitty caught a fish. What? Aren't cats afraid of water? Yeah, well, she hardly got wet. She was just lying there on top of the aquarium. Allez, on tourne à droite là pour le coup. Donc là, c'est le bon arrêt. Alors, je sais pas pourquoi je me suis arrêté tout à l'heure, mais. Là, c'est le bon arrêt. This parking position is just perfect. Wait, where did my hat go? Bye bye. One ticket, please. Je sais pas si la girouette, on peut la personnaliser comme sur Romsey. J'ai pas testé. Normal. Le coup de la caisse pour rendre la monnaie, ça c'est juste excellent. Thank you. Ça c'est juste excellent le coup de la caisse. Ça évite vraiment de compter et de perdre du temps. Alors voilà, un passager qui écoute la musique beaucoup trop forte, donc je vais lui dire, my bad. Voilà, sorry. Tu t'arrêtes, d'accord, hein, c'est pas la fête à neuneu dans mon bus, donc tu respectes les autres voyageurs, non mais, I'd never have guessed that Christina and Hans were related. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien, l'interaction, ah oui, alors non, faut pas que je me fasse avoir, c'est l'autre. Parce que dans la vidéo précédente, j'avais tourné, vous voyez, ici à droite. Et en fait, je m'étais fait avoir. Et c'est ici qu'il faut tourner. Voilà, ce coup-ci. Alors, aujourd'hui, je me serais peut-être pas trompé dans le GPS, mais je vous aurais fait un arrêt pour rien sur une station. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein. Salut. Alors, semaine normale, quantité 2. De rien. Allez, on va faire un petit contrôle des voyageurs, voir si tout le monde a son petit ticket. Of course. Here you go. Ok. Of course. Here you go. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils vous sortent vraiment les tickets. Hein. Ça, c'est bien. Alors, toi, là. Monsieur DJ, là. C'est bien, t'as quand même ton ticket valide. Here's the ticket and here's a picture of my cat. Ok, tu me montres bien ton petit ticket. Here, I thought I had one. Bah alors. Alors vous voyez là, elle me dit qu'elle a pas de ticket, elle paye une amende, mais elle me sort un ticket quand même. Petit défaut. Ok. Here. Where is it? Okay. Here you go. What? Oh, here you go. Alors, vous voyez, il y a un truc quand même qu'il faut retenir, c'est que
Bon, le jeu est des skillets, bien entendu, mais c'est pareil, on a des voyageurs qui, au lieu de disparaître et réapparaître dans le bus comme dans Fernbus, par exemple, là, vous les voyez monter. Ok, je sais pas, elle a dû voir quelque chose, la petite dame, là, qui la rend fofolle. Les passagers, quand vous les voyez bouger, ils montent et ils descendent du bus. Chose qu'on n'a pas encore dans Fernbus notamment. Et qui, j'espère, changera lorsque The Bus sortira. Parce que si le système des passagers qui montent et qui descendent est identique à celui de Fernbus, eh ben, ça va pas aller, ça va pas le faire pour un jeu de... Pour un jeu de bus. What a beautiful day. I need to purchase several tickets. Par contre, il y a beaucoup de tickets à donner, je trouve. Donc là, elle en veut deux, mais 4, 2, 4, et voilà. De rien, madame. Alors la prochaine vidéo que je vous ferai sur BS, on changera de livret, hein, parce que je ne vais pas faire que de la livrée Francibus. Je prendrai une autre livrée au hasard. Wait, where did my hat go? Après c'est vrai que j'aime bien ma livrée, je vous le cache pas, je la trouve très belle. Après c'est qu'un avis perso. Et qui est objectif, hein, parce qu'il faut bien savoir que quand je n'aime pas quelque chose, je le dis aussi. Là pour le coup je trouve que voilà ma livrée elle est vraiment superbe. Après c'est d'autosatisfaction, hein, vous prenez comme vous voulez, mais voilà, moi pour ma part j'aime beaucoup. Et Yannick a vraiment fait un super boulot quoi. Allez on y va, on continue. Oh look at that! Isn't that beautiful? Alors ça m'arrivera bien entendu sur ce jeu de vous faire des vidéos non commentées. Parce que je peux pas tout le temps commenter malheureusement. Goodbye. Salut. See you. Bye. Au revoir. Voilà, donc le trajet à mon avis est terminé. Tout qu'on va aller vérifier. Que personne n'a rien oublié. Alors par contre ce qui est un petit peu dommage c'est que à la finalité quand vous ramassez les objets il n'y a que des poubelles, il n'y a pas de. Vous voyez, hop des gobelets, il n'y a pas autre chose que des gobelets, donc là aussi je pense qu'il devrait faire un petit effort. Je sais pas, trouver des sacs à main, des clés, un parapluie. Enfin, je sais pas, tout et n'importe quoi. Et vraiment, là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne trouve que des gobelets. Donc là encore, j'espère que ça, les devs le changeront. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à venir nous rejoindre sur le projet Francibus. Les liens sont dans la description de la vidéo. Et pour ma part, je vous dis bien sûr de passer de bons moments avec ce jeu et je vous souhaite un bon bus. À très bientôt sur Francibus. Bye bye.